Bonjour et bienvenue. Bienvenue pour notre petite aventure nocturne du coup. Ouais, on va faire ça de nuit. Alors, ramasser. J'espère que le temps s'est amélioré. On a quasiment plus d'eau, c'est cool. Alors, fais voir un peu le. Ouais, on a ça. Ouais, le charbon va nous faire tenir. Après, c'est quoi? C'est 1 kilo? Ouais, 5 kilos, c'est un peu fou. 1 kilo, non, on peut pas. De toute façon, il faut prendre une corde, donc on peut pas. On va donc continuer. J'ai un problème, c'est cette corde. Hein. En fait, on la prend pour la ramener. C'est un peu con, mais bon, enfin, on est un peu obligé de toute façon maintenant. On va pas la laisser en plein sommet, ça sert strictement à rien de faire ça. Donc ouais, ça c'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. J'ai tout pris. Oui, j'ai tout pris. En espérant qu'il fasse pas trop froid. J'espère. Ça va. Ça va, ça va. Poing, 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 poing. Et on est bon. Donc on va directement prendre la corde. Je crois que j'avais pris les champignons. Ouais. On a des lapins. Ah, j'espère que ça va bien se passer le coup de la corde. Je sais pas si on peut la faire en une fois. Je crois qu'on va devoir se reposer entre... sur un rocher en fait. Je sais pas en fait. On verra. On verra un peu comment ça se passe pendant qu'on monte. Je crois qu'on devrait se reposer au premier rocher en fait. Là, on a une corde. Donc on peut redescendre. Alors ça, c'est le côté à l'inverse de notre cabane, hein. Faut bien penser, hein. C'est un peu... En fait, ça nous fait beaucoup tourner, le fait d'aller à l'avion. Donc ça, faut faire attention à ça. Let's go. Ah, quoique, on peut le faire en une fois. Let's go. On peut le faire en une fois, très bien. Nickel. Nickel. On est toujours... Ouais, on est bon. C'est parce qu'en fait, elle sait pas... Elle ralentit. Elle ralentit tout simplement parce que... Attendez, il faut que je retrouve la grotte. Parce que je sais qu'il y a une grotte pour se mettre à l'abri. Je crois qu'elle est un peu loin en fait de l'avion. L'avion est de là-bas. Je crois qu'elle est par là, la grotte. Mais elle commence à ralentir en fait si vous passez en dessous du poids requis. Donc, ouais, elle est là. Donc en gros, pendant que vous montez, vous vous fatiguez. Et une fois que vous êtes dans le rouge, et que vous êtes en surpoids du coup. C'est là qu'elle va ralentir, je crois bien. Parce que là, elle a tracé en fait, elle s'est pas arrêtée. Tant qu'on avait de l'endurance, elle s'est pas arrêtée. C'est quoi ça? Un cadavre? Il y a une corde ici aussi. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Ah oui, mince, oui. Bah mince alors. Bah mince, on a une corde ici aussi. Oh. On a quand même 10 kilos de corde. Hein. On a 10 kilos de corde. On va prendre le plus de bois possible. Parce que là on va...
On va faire un feu, je crois. Je sais pas s'il y a de la nourriture par contre ici. Peut-être des lapins, mais je suis pas sûr en fait. Je me rappelle plus. Bon, après, on n'est pas, pas en danger, mais. Il y a plein de bois cassés par contre, évidemment, parce qu'il a, il a éclaté les arbres. Il s'est crashé. Je regarde s'il y a des lapins, mais... non. Hein. Non, je crois pas. Hein. Il y a des cadavres. Ah oui, du coup, ça a changé, donc on va avoir différentes choses. Nous on a jamais de chance avec les cadavres. Alors, section de queue. Ouais, non, il n'y a rien qui bouge. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Alors. Est-ce qu'on peut faire un feu? Ouais, ici c'est pas mal. Ouais, on peut. Ça marche. On va se réchauffer. Nickel. Alors, je le fais contre la paroi, mais je crois qu'en théorie, on est protégé de... Non, putain. Are you serious? Dépêche. Je crois qu'on est protégé du vent de tous les côtés. Mais j'ai pas envie de tester. Mais bon, je crois qu'à l'intérieur du de l'avion, on est protégé. Come on, little fire. Si t'arrêtais de parler, peut-être. Ah, on a une aurore boréale. Ok, très bien. On va mettre ça, et on va mettre surtout ça. Voilà, très bien. Voilà, comme ça on va pouvoir faire... Ah tiens, on va en profiter pour faire de l'eau. Nickel. On va en profiter pour faire de l'eau. On a encore des bonnes calories. On va utiliser les massettes au pire. Parce que je veux garder encore ça. Parce que ça c'est 300 pour 10. Extrêmement bon. Je sais plus combien c'est les massettes. Attendez, voir les massettes. J'ai tendance à oublier les massettes combien c'est. Genre, j'en jette une. C'est 150 pour 0,5. Ah, donc ça fait 300 pour 0,10. Ah, c'est pas mal hein, les massettes. Bon, ça, ça met de l'eau aussi un peu. Hein, les boîtes de sardines. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est vachement bien les massettes. On pourrait vivre en massettes. Et niveau calories. Je crois que bah, c'est très bien. On va enlever ça parce que ça m'embête. T'es sérieux là? Bon bah on va devoir... Ça c'est nouveau hein. Ça c'est nouveau hein. Je suis sûr qu'il n'y avait pas autant de, choses dans les, caisses avant. Waouh. Ok, on a 3 cordes. Donc on a 15 kilos à se trimballer là. Déjà, ça commence bien. On peut voir ça. Putain, 16 minutes, 27 minutes, c'est ouf. Bon, on va faire 16 minutes parce que je veux pas non plus rester 3000 ans ici. Mais... Ah ouais, j'ai vu. On va peut-être devoir faire des allers-retours. Hein, parce que là, on a trop. Hein. Vraiment trop. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 morceaux de métal. Donc on va pouvoir réparer notre site. Ça, c'est très bien. Ouh, on a des bons vêtements. Ouh, on a ça. Alors, attendez. Merde! Je répare avec quoi, là? Ah oui, non, mais j'ai pas de... Oui, voilà. Ok, alors, faut voir.
Du coup, j'ai perdu mon eau. Excusez-moi, je vais un peu arrêter de parler. Je vais essayer de me concentrer 2 minutes. Très bien. De toute façon, on peut pas dessiner. Ah si, en aurore boal, on peut. Eau potable. Eau potable. Donc on va manger des massettes. Parce que les massettes, il y en a quand même énormément hein, dans le monde. Ok, très bien. Il nous en reste 3. Là, on a assez d'eau. Nickel. Alors, on a énormément de vêtements, mais on a eu des bons vêtements. Pourquoi j'ai réparé ça? Parce que ça peut être intéressant. Genre de mettre ça à la place, par exemple. Vous voyez? Ça peut être pas mal. Quoique, j'ai pas l'impression que ça protège le niveau de chaleur. Ou alors, il faut l'inverser. Je saurais pas dire. On a eu un parc à simple correct. Ok. On a eu... ouais. On va faire un peu le tri. Je vais déposer ce qu'on vient de récupérer parce que là. Un peu trop. Ouais, les caches-oreilles. Le cache-oreille, ça peut être une chose intéressante, je crois. J'ai jamais fait ça, hein, le fait d'interchanger comme ça les choses. Okay. Mais si jamais on n'a pas vraiment... Est-ce que ça... Enfin, c'est con qu'on voit pas les virgules, quoi. Oh là là, c'est vraiment chiant. Là, je ressens combien? Moins 13. Moins 14. Ouais, non, ça marche. Donc, en théorie, on peut mettre ça. Ça nous protège du vent. Du froid. On peut ne pas mettre les machins, là. Fais voir ma scie, parce qu'il faut pas la casser. Ma scie, elle est à 61, ça va. Là, il va falloir faire attention et on a beaucoup de choses. Je crois qu'on va devoir faire des allers-retours. Ok, nickel. Ça, c'est une boîte de nourriture. Ah, il y avait vraiment pas beaucoup. Eau potable. Très bien. Juste pas envie de taper dans mes réserves en fait. On est en 3 heures. Ok, ça va, ça c'est bien. Ça c'est un peu lourd par contre, 450 pour 0,50. Genre pour 1 kg on aurait 900. 900 c'est pas beaucoup, nous on arrive à mieux. Donc ça c'est des choses à la limite à jeter. Je vais voir ma scie. Si je fais réparer 30 minutes. Quantité à réparer 25%. Ouais, c'est pas mal. Ok, la scie 76, très bien. Ça.
rien. J'ai pris le... Merde. Oui, je l'ai pris. Okay. J'ai eu peur. Je me suis dit, putain, il est parti, il a disparu, le machin. Attends, on va mettre les cordes là. Je commence à être fatigué. Je voudrais mettre mon lit. Oh là là, c'est chiant, cette problème de... ce problème de proximité, là. Oh yes! Une scie à 100%, bah ils sont sympas. On va jeter celle-là. Il nous faudrait honnêtement des vêtements rares. Mais honnêtement, je crois qu'on va jamais en trouver des vêtements très rares. Genre les collants là, les trucs thermiques en rouge, je pense qu'on les trouvera pas. Donc à la limite, je voudrais juste des ressources, ouais, genre comme ce qu'on vient de trouver, genre des trucs super rares, par exemple, le thé, le café, ça serait nickel, en fait. Ça serait absolument nickel. Ouais, on va ouvrir toutes les caisses. Ouh, regardez-moi ça. On va ouvrir toutes les caisses. Apple syrup, c'est bien. Crampon. Ça, c'est nouveau. Fire steel, premier fire steel, yes. Couture facile, très très bon. Ok. Par contre, je voudrais vraiment qu'on puisse pouvoir chasser là. Je vais regarder vite fait s'il y a vraiment rien du tout, du tout. Mais je voudrais vraiment pouvoir trouver un animal, genre un lapin ou un truc. Que là, l'eau, on est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, je crois que c'est le seul problème d'ici. Il n'y a pas d'animaux. Faut descendre, en fait. Après, on a de la nourriture, mais comme j'ai dit, si c'est de la nourriture humaine, j'ai envie de... Enfin, ça fait cannibale quand je dis ça. Mais si on a de la... Oui, si on a de la nourriture... genre des conserves et tout ça, je voudrais les garder de côté. Là, il y a du vent. Après, il y a les champignons et tout ça. Qui nous permet de... de aussi récupérer des calories. Donc ça aussi c'est important. Non, il y a strictement rien ici. Non. Non, il y a que dalle, il y a que dalle. À la limite, la nourriture qu'on pourrait manger, comme j'ai dit, c'est les conserves à 450 de calories. Parce que ça, c'est trop lourd. Point de vue calories, poids, c'est pas bon. Nous, on peut faire nettement mieux maintenant. Avec genre 1 kg de... Même de loup, je crois qu'on arrive à 900 presque. On a 875, je crois. Mais après, on prend genre un cerf et tout ça, ça nous fait 1000 de calories. Pour 1 kg. Donc 450 pour 0,50, c'est mauvais. Donc ça, on peut les virer. Ça, c'est pas de problème, on peut les manger. Ah, il y a encore un cadavre ici.
Donc ouais, à la limite on peut manger ça. Je sais qu'on perd de la vie, mais on va prendre tous les morceaux de bois disponibles. Parce que le feu, on va le laisser... on va le laisser rouler, hein, le feu. Hein. On va pas l'éteindre. On va rester là-dedans, parce que je n'ai pas envie d'aller dans la grotte, en fait. La grotte est loin, c'est chiant. Là, on est bien protégé, on a tout notre matos. Et on peut faire notre choix de ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Ah, même ça, on peut le couper. Non. Table. Alors. On va cuire ça. Et ça. Ça nous fera des ressources. Là, on a une caisse en haut. Ok, donc celui-là on l'a fait, celui-là on l'a fait, celui-là on l'a fait, il en reste deux, non un seul. Ok, des médicaments, bof. Pas très intéressant parce qu'on peut tout avoir en nature, donc c'est pas extrêmement intéressant. Ah, des fourrures. Ouais, bof, ouais, on n'a pas eu de fourrure intéressante, honnêtement. Ces caisses-là, il faut qu'on les casse. Ces caisses-là aussi, il faudrait qu'on les casse, en fait. Alors, ça, on va le boire. Bah c'est tout. On est un peu fatigué, faudrait qu'on dorme. On va quand même garder du bois de côté, juste au cas où. Où on peut pas le vent, je sais pas, le vent s'engouffre et nous souffle le feu, mais ça m'étonnerait. Donc on a eu quoi? Deux pots de serre séchée. Ah, on peut l'utiliser. Non, on n'a pas de boyaux. Non, on peut pas les utiliser. On a un lapin, un loup, on s'en fout du loup. Le cerf, oui, on garde. Qu'est-ce qu'on a là? Non, tiens, ça, on va le virer. Ça m'embête de voir ça dans l'inventaire. Vous avez vu, 98% hein, les outils de qualité, hein, ça a vraiment pas trop abîmé la scie. Enfin, hein. La caisse d'outils, ça l'a vraiment pas trop utilisé. Alors, on va... Ouais, c'est ce que je regarde. Ça, c'est vachement bien, 850, 0,30, c'est très bon. 250, 25, ça, c'est mauvais. Donc, en théorie, on devrait le manger, enfin, le boire. Ça c'est très bon, ça c'est très bon, ça aussi. Ouais, ben il y a ça à manger, je dirais. Et après, ça c'est 0,25. Genre ça ferait 500 pour 0,50. Ouais, non, c'est mieux que ça en tout cas. Mais de pas beaucoup. De vraiment pas beaucoup. Les dernières massettes.
On va dormir et on va voir ce qu'on va faire. Faire attention parce que quand vous, il y a quelque chose qui disparaît de l'inventaire, votre inventaire saute du coup, se remet, en fait, enlève la barre du bas. Honnêtement, ils auraient pas dû, ils auraient dû garder la barre du bas tant qu'on scrolle pas vers le haut. Et du coup, ça vous fait jumper en fait sur autre chose, c'est horrible, ça c'est super dangereux. On a eu des crampons. Ah, c'est des vrais crampons, c'est pas les crampons fait, vite fait en fait. Donc il y a deux endroits où vous pouvez avoir les crampons maintenant. Intéressant. Intéressant. Alors, idéalement, moi, je voudrais vraiment tout faire descendre. Mais je sais pas si on va pouvoir. Qu'est-ce que je fais ? Ok, on va regarder les corbeaux, là ils sont excités, donc on va regarder un peu ce qu'ils veulent. Alors on a encore 4 heures. Donc ça. Prendre une torche. On est à 47 kilos. Alors est-ce que il y aurait des lapins ? M'étonnerait. Hein. Waouh! Les corbeaux, ils ont vanish. Merci, sympa. Les corbeaux ont vanish. Ah! Oui, j'ai compris pourquoi. On n'est pas gâté par le temps. On n'est vraiment pas gâté par le temps. On va prendre le plus de bois possible. Comme j'ai dit, on va faire durer le feu le plus longtemps possible. Jusqu'à ce qu'on parte, en fait, tout simplement. Jusqu'à ce qu'on parte. Ce qui est bien, c'est que notre feu il dure quand même vraiment longtemps. On est niveau 4, ça va. Donc ça, c'est une bonne chose. Jesus, it's cold. Ok, très bien. On peut lire ça pour passer le temps. Bah alors, on va réfléchir un peu sur ce qu'on a. Il faudrait qu'on détruise les caisses. Déjà. Mais honnêtement, je pense qu'on va rien trouver d'autre maintenant. Peut-être les caisses, les petites comme ça? Je sais pas. Peut-être. Faudrait qu'on mange. Donc on avait dit qu'on allait manger ça. Ah, attendez. Ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Cuir. Oh, 9 minutes à chaque fois. Avant, il y avait la fusée éclairante. Maintenant, du coup, elle n'y est plus ici. On va enlever.
Enfin, la fusée, clairement. Le pistolet à fusée. Je vais casser celle-là. Ouais, mais je crois que c'est mort. Je crois qu'il n'y a plus rien. Je crois qu'il n'y a plus rien à casser. C'est un peu étrange en fait. Je me demande, alors je vais être honnête, je me demande si c'est pas le fait qu'en fait il y avait une corde qui est apparue en dessous de la caisse et nous on a cassé la caisse. Je suis en train de me demander si c'était pas ça en fait. Parce que je crois qu'il y avait la corde et un journal, je crois. Non, le journal il était là-bas, je me rappelle plus. Genre, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'était dans la caisse? Ou c'était en dessous de la caisse. Vous voyez le problème? Parce que honnêtement, au moins que c'était vraiment un coup de bol. Non, je pense que c'est fini, hein. Je pense qu'il n'y a plus rien. Je pense qu'il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y aurait une troisième partie de ça? Non, il n'y a pas trop. Alors. Alors, on va devoir réfléchir à ce qu'on fait. Et à ce qu'on prend, surtout. Alors, on a trois cordes. 5 kilos l'une. 15 kilos déjà, dans les fesses. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on a deux crampons. Bon, c'est des crampons uniques. Enfin, uniques, non, il y en a deux. Mais c'est des crampons. C'est pas des faits à la va-vite, là, avec des morceaux de métal. Donc, j'ai bien envie de les descendre. Personne. On a le cache-oreille. J'ai bien envie de le descendre aussi, parce que ça peut être intéressant. Quand on n'a pas besoin des crampons. Là, on va descendre, donc on va les mettre. Et ça peut être intéressant. On a des médicaments. Autant les descendre. Autant les descendre, les médicaments. La scie supplémentaire, on la prend. L'eau, on s'en fout. Les vêtements. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à descendre? Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Il y a les chaussures qu'on peut transformer en cuir, ça sera moins lourd. Parce que là, on est à 65 kilos. Donc on va avoir un problème. Hey, je vais devoir faire un aller-retour. Ah ouais, non, je suis obligé, hein, je vais devoir faire un aller-retour. Là, ça va être combien? C'est une heure pour les recycler. 1h15. Ça pèse combien? Ouais, ça pèse 0,10. Ça vaut le coup de les... Ça vaut le coup, en fait. De les recycler direct. Faut que je fasse gaffe à mes calories, parce que... On va commencer à être à court de calories.
Ça, je veux garder. Tout ça, je veux garder. Ça, surtout, je veux garder. Il y a ça qu'on peut limite manger si jamais on en a besoin. On va rappeler. Très bien. Après, tous ces vêtements, c'est pas très utile. Alors ça, je crois qu'on peut en faire du cuir aussi. 1h30 de cuir. Intéressant. J'avoue que c'est intéressant. Le bonnet en laine, on peut le garder aussi et le mettre à l'abri. Parce que c'est vrai que c'est un bonnet, c'est intéressant le bonnet. Les cordes, on va les laisser, c'est trop lourd. Là, on est à 50 kg déjà. Ça, ça fait 3 kg. Les livres. Les livres, on peut les prendre. Ah, on a tout le bois à jeter aussi. On a tout le bois à jeter, c'est vrai. Donc à la limite, c'est pas trop embêtant ça. C'est vrai qu'on a ça. Je vais voir un peu le poids. Si j'enlève tout ça. Parce que oui, on a beaucoup. Ça. Ça. Voilà, déjà c'est un peu mieux. On peut pas... non. Mais on peut pas... Allô ? Ça marche pas ? Bah, ça, j'ai l'impression que ça marche pas, parce que normalement on peut même le faire au sol. Qu'est-ce que tu me fais là, le jeu? D'accord. Bon bah je vais... Bah ok. Merci le jeu. Apparemment le jeu veut pas. Ok, on est à 42 kg exactement. Et on a de l'eau qu'on peut virer aussi. Ça c'est bien. Je vais voir un peu nos calories avant que je panique. On est à 800, ça va, on est en réchauffement. Très bien. On peut faire encore un raichi, histoire. Histoire de se réchauffer, de manger des calories. Okay, très bien. Nickel. Donc. Moi j'ai bien envie de prendre les livres. Déjà. Ça on peut le prendre. Les livres, ben, je sais pas, ça m'amuse d'avoir des livres. Là, on peut le lire, c'est 5 heures. Après, on peut le lire et le virer, en fait, le livre. Je suis d'accord, hein, je suis complètement d'accord. Mais, j'aime, je sais pas, j'aime bien garder les livres. Je sais pas pourquoi. Les peaux, on a la peau de loup qui est pas très intéressante. Parce qu'on en fait strictement rien. Après, c'est 0,50. 0,50, voilà. Ça, ça fait 3 kilos en plus. On est toujours en dessous des 50 kilos. Ce qui est très potable. Et encore une fois, on a de l'eau qu'on peut jarter. Ça marche. Du coup, ça va mieux se faire que prévu. Non, ça... 1h30, oh la vache. 1h30 pour un cuir, oh, c'est chaud quand même. Botte de travail, botte de marche. 1h32.
Parce que le cuir, c'est rare, en fait. Enfin, en théorie, c'est pas très rare. La façon dont... Entre l'utilité... Je vais être honnête. Entre l'utilité du cuir, qui est très légère, que j'ai l'impression que j'en ai jamais utilisé, honnêtement. Au final, je vais être honnête. Et le fait qu'on trouve quand même des vêtements... des chaussures, plutôt. Mais des objets de type vêtements. Assez souvent, en fait, des chaussures qu'on n'utilise pas. Bon, au final, c'est pas si rare que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Entre la demande et le nombre qu'on en trouve, ça va, quoi. Parce que honnêtement, il n'y a rien à réparer avec le cuir. Il y a ça, je crois. Mais ça, non, ça s'utilise pas. Je sais pas ce qu'il y a à réparer avec le cuir. Le sac de couchage, peut-être? Je suis même pas sûr. Non, je sais plus. Je crois qu'il y a des trucs à réparer avec le cuir, hein, mais à part des vêtements qui ont besoin d'un cuir, je crois pas qu'il y ait grand chose. Bon, déjà, on a 7 cuirs. Toi, on va réfléchir. On va prendre. Toi, t'es un peu trop. Donc, je pose l'eau. Ça fait 2 litres. Hein. Ça fait 2 kilos en moins. On est encore bon. Et après, on peut prendre des cordes à la limite. En fait, mon but, hein, c'est de prendre les cordes. Hein, c'est de descendre et prendre des cordes. Parce que les cordes, on va pouvoir les placer après. Mais on va pas pouvoir... Enfin, on va pas me remonter pour redescendre, pour les replacer. J'ai pas envie de refaire un aller-retour, moi. C'est ça qui m'embête. Le parka, c'est pas vraiment intéressant. Je vois un peu. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Okay. C'est pas bien. Je crois qu'on va dormir. Je crois qu'on va dormir et on va partir. Réchauffement, sac. Désolé, je peux jouer un coup. Ok. Alors, on va voir un peu. Bon, on va devoir redormir un peu, je crois. On va voir les calories. On est à 400. C'est un peu bas. C'est un peu bas. Dormir 2 heures de plus. Ok, on est un peu en train de taper dans nos réserves. Avant de partir, dernière vérification s'il n'y a pas des lapins. Ouais, cadavre là, on l'a fouillé. Non, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui bouge. Non. Non, non, il n'y a rien. On se casse. Je tape un peu dans mes réserves
de champignons, de baies et tout ça. Mais ouais, c'est pas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Très bien. Qu'est-ce que je vais me faire ? On est d'accord que la bombe de peinture marche toujours pas. Hein. Ah, si, ça marche maintenant. Ouais, donc, putain. Voilà. Jour de vérité. On est à 59 kilos. Avec aucun moyen de baisser notre poids plus que ça. ...59 kg. Je peux encore me déplacer. Je crois que je peux le faire. Je crois que je peux le faire. Je crois qu'on est bon. Je suis avec les crampons. J'ai deux fois les crampons. Ouais. Allez. On y va. Voilà. Là, oui. Encore un livre. C'est bien. C'est parti. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. This pack is getting too heavy to carry. C'est bien parce que du coup on va pas très vite, donc on va pas sauter en fait. Un peu. Nous on doit aller là-bas. Vous voyez là-bas, là il y a le lac. Enfin. On va essayer de pas trop dévier du chemin. Je crois que c'est mieux par là. Faut voir. Si on arrive au moins à descendre les cordes, en fait, c'est le plus important. C'est descendre les cordes, honnêtement. Après, je peux les jeter en bas, pas grave. Facile tout ça. Je me rappelle plus exactement par où il faut passer. Faites pas ça chez vous. Adieu.
Faites pas ça chez vous. Bah, honnêtement, s'il y a une montagne comme ça chez vous, je sais pas où vous habitez. On arrive. Ah, ah, m'a fait peur ce con. Y'a pas de problème. Pas de... Vous êtes déjà descendu comme ça, genre sans corde d'une montagne. Avec une cheville et une entorse. Enfin une entorse. Je crois que... C'est quoi qu'on a perdu, la cheville et le bras? Non, le bras non. La main non. On est bon. Qu'est-ce que tu disais? Ah mince, mes calories par contre. On va prendre ça. Okay. Ça. Ah tiens. Damn it. Mais non, mais j'ai pas envie que tu. Ça m'a donné les calories au moins. Je pense. Oui, ça, ça donne des calories. C'est marrant parce qu'elle boit super vite, vous avez vu? Elle boit super vite. Faire attention là. Bon, putain. Vous voyez pourquoi je veux pas le refaire ce passage? Vous comprenez pourquoi maintenant? C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aime bien parce qu'elle se coupe elle-même. Alors là... Là, je pense qu'on peut descendre comme ça. Ou pas. On va passer par là-bas. Ça m'a l'air un peu trop pentu. Hein? Un peu trop. Là, c'est un peu mieux. Attention, attention. Ah! On est bon, on est bon, on est bon, on est bon! Alors là, le risque d'hypothermie, ça, je pense que ça va. Je pense que c'est pas vraiment notre, notre plus gros problème. Hein, je vais être honnête. Olé. Poing. Très bien. Très bien. Aou. Bah oui, aou. Alors, attends. Sympo. Ça va, ça va, ça va, tout va bien, tout va bien. On a... Fais voir nos vêtements. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Nickel, tout va bien. Est-ce qu'on a beaucoup de douleurs? Ouais, on a des problèmes. Et, hein, dans la vie, c'est pas facile. Hein. Je peux utiliser mon arme? Non. Okay. Bon, je crois que là, j'aurais peut-être pu mieux faire, j'avoue. Je crois que j'aurais pu mieux faire. Le problème, c'est que vu qu'on est en surpoids et on fait beaucoup de bordel, là, enfin, on n'est jamais sur du sol plat, on consomme aussi plus de calories. Donc ça, c'est aussi un truc... c'est pour ça qu'on a beaucoup de faim, en fait. Ça me paraît un peu con, là, mais... Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Hé hé! Vous avez vu un peu? Tada! Ok, on va un peu gérer nos souffrances, on va se mettre dans le. Dans la grotte.
C'est énorme. Ah la vache. N'a encore envie. Ah, je le savais. Je le savais hein, qu'on allait survivre. Il n'y a pas de problème. C'était prévu. De toute façon. Je vais être honnête, je crois que je vais virer les cornes maintenant. Parce qu'au moins elles sont bien, bien à l'abri. Alors, ce qu'on voudrait. On voudrait ça. Ça c'est bon, ça. Ça c'est douleur. Les douleurs on s'en fout, ça va partir avec le temps, c'est pas de problème. Alors je pense que ouais, les cordes on va potentiellement laisser là. Vous avez vu qu'il y avait le cadavre du cerf aussi, on peut y aller, faire du feu à côté, mais on n'a pas de... On n'a pas de... de bois. Voilà, c'est bon. On y va. Comment on y va? Alors, il y a un truc. Il y a sûrement un loup qui est revenu en plus. Ça, c'est chiant. Ça, c'est obligé. Ça fait trop longtemps. Quoique. Après, il y avait tous les vêtements qu'on avait laissés. Je peux prendre des vêtements avec moi, à la limite. Ça fait beaucoup. Hein. Il y a 47, ça va. Tiens, on pourrait faire un feu. Je sais pas si ça vaut le coup. Je pense qu'on va simplement rentrer en fait. Ah, il est là en plus. On fait un feu pour manger ou on rentre? On va rentrer. Après tout. On va faire un feu, on va manger. Parce que j'ai peur de... J'ai pas envie de claquer en fait mes ressources encore une fois. Ça aussi c'est trop demandé d'avoir une touche où... genre ils vous mettent d'un côté ce que vous avez équipé et de l'autre ce qui est pas équipé. Ça c'est trop demandé ça aussi. Et c'est... Hein. Trop demandé. Genre dans un jeu comme ça où quand vous êtes en difficulté très élevée, il faut réagir vite. Honnêtement, c'est chiant de pas avoir des petites choses comme ça de la sorte. On va prendre du bois. J'ai encore des torches. On va claquer une allumette. On va faire un petit feu juste à côté du loup et on va manger la viande. Histoire qu'on soit bien. Je prends pas mal de bois pour que ça chauffe. Il fait pas très froid par contre, donc ça va. Donc c'est pour ça que je voudrais en profiter. Parce que là, le temps qu'on avance, le temps qu'on rentre, parce qu'il y a quand même un petit chemin encore à faire. Donc le temps qu'on rentre, je pense qu'on va avoir faim et j'ai pas envie de claquer mes ressources humaines. Les ressources humaines, j'ai pas envie de les claquer. Ah oui, maintenant c'est différent. Ouh, qu'est-ce que c'est chiant ce système. Si vous vous rappelez, avant il fallait rester appuyé en fait pour utiliser la torche. Enfin, utiliser l'allumette. Et si vous utilisez. Come on, little fire. Comment dire. Vous maintenez pas le clic.
Vous perdez l'allumette en fait, elle allume pas la torche. Maintenant c'est automatique, c'est que vous choisissez ou allumette ou fire steel et après en fait faut, ça le fait automatiquement, donc c'est un peu relou. C'est chaud. J'aurais dû prendre des petits specs. J'ai merdé. J'aurais dû faire des 0,5. Maintenant, bon, c'est fait. Il faut un peu plus de chaleur. On a des torches aussi à casser. J'ai des petits bois, il faut 10 minutes pour les casser, ça en fait 3, pas mal aussi, mais c'est genre ça là. Mais bon, ça va plus vite de ramasser. Alors ce que je vais faire, moi, quand on arrivera au camp là, on va s'arrêter, hein, bien sûr. Parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et on va... Je pense que je ferai j'irai récupérer en fait les cordes et tout ça, et je me préparerai pour notre deuxième expédition en fait du Mont Timberwolf. Je crois que c'est le mieux de faire ça. Ah, j'ai peur pour mes ressources, pour mes calories. On peut boire des tisanes. Le boulot, à la limite, ça... Le boulot, ça remet de la vie et c'est facile à trouver. Parce que le boulot, c'est. Ça vient des arbres. Donc je crois que quand vous avez des tempêtes. Je crois que. Les écorces retombent. Je suis pas 100% certain. Mais je pense que oui. Je pense que les écorces, en fait, des arbres retombent. Et en théorie, vous pouvez avoir du boulot en fait à l'infini. Avec du temps, évidemment, mais voilà. Alors que les tisanes, c'est unique. Hein. Une fois que vous avez tout utilisé, c'est mort. Quoi. Mais je suis content, on a trouvé un peu de café, un peu de tisane, c'est bien. Au final, on n'a pas trouvé des choses extrêmement intéressantes, mais on a trouvé des choses. Ça va. Viande cuite. Très bien. Voilà. Il faudra un peu d'eau. Assez d'eau. J'aurais dû directement le transformer en ça là. Pour avoir le bonus de chaleur en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a ? On pourrait prendre la bourrure à la limite, mais pas vraiment très intéressant.
Ça réchauffe les vêtements. Ouais, on va partir bientôt. Donc là, en fait, vous voyez le chemin. Il faut prendre ce chemin. Et on va bifurquer vers la droite et monter. Par contre, j'espère que l'ours n'est pas revenu. M'étonnerait l'ours il est longtemps. Très bien. Mais ouais, je pense que je ferai... Ouais. Je ferai une petite partie où j'irai récupérer les cordes et je nous préparerai pour notre prochaine expédition. Mais là, on a très bien fait, hein, au final. On a très très bien fait. Dans le sens où on a donc récupéré toutes les cordes. Il y a des corbeaux. Enfin, pas les miens, les ceux de derrière, mais il y en a d'autres, là, apparemment. J'entends piailler. On a très bien fait, c'est qu'on a, on a tout descendu, en fait. Les choses intéressantes et importantes, on les a toutes descendues. Donc, c'est-à-dire les cordes, qui sont extrêmement lourdes. On a récupéré tout, bon, les aliments et tout ça. On n'en a pas énormément, mais ça va. Il y a quoi, là ? Oh, ah, mais c'est quoi, ça, un cerf ? Ouais, bof, pas vraiment intéressant en fait. Pas très intéressant. On peut refaire un feu et manger le cerf, hein. On peut faire ça. Mais on est bon. Donc, donc oui, on a descendu les cordes, c'était le plus lourd et le plus chiant et le plus important. On va pouvoir les placer un peu où on veut maintenant. On a descendu donc toute la nourriture qu'on a trouvée. Comme j'ai dit, on n'a pas trouvé énormément, mais on a trouvé du thé et du café. C'est extrêmement rare. Donc c'est très bien. On a récupéré des vêtements. Il n'y avait pas vraiment grand chose d'intéressant. Par contre, on a pu récupérer du cuir. On a le couvre... oreille. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien. C'est. Par contre, le couvre-oreille c'est bien. C'est extrêmement fragile par contre. C'est même trop fragile. En une attaque, je crois qu'il y a des moyens qu'il soit déchiré. Genre en une attaque de loup, je crois qu'il y a moyen qu'il soit déchiré. Donc ça c'est un peu un problème. Donc ça faut faire gaffe. Par contre, me balader dans cette purée, sachant qu'il y a des animaux, ça m'embête un peu. C'est bien parce que en faisant ça, inconsciemment, je suis en train de baliser le chemin. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de baliser le chemin petit à petit. En mettant des torches comme ça. Ça c'est intéressant ça aussi. C'est vrai que ça peut être une bonne stratégie. Si jamais vous avez des problèmes pour vous repérer. Alors, c'est 0,30. Hein. Attendez, j'entends des bruits. Non, c'est bon. C'est 0,30 la torche, c'est un peu lourd. Mais si vous voulez baliser un chemin, vous pouvez allumer une torche. Et à chaque fois les allumer les unes après les autres, comme je fais. Ça vous tient au chaud, comme ça vous pouvez durer un peu plus longtemps. Et du coup, bah, vous en mettez plein par terre. Et ça fait un chemin. C'est pas mal. C'est limite plus intéressant que la... Comment ça s'appelle? La bonbonne, là. La bombe de peinture.
Je les ai pas pris ceux-là? Non. J'entends le corbeau. Je crois que le corbeau c'est pour le l'ours que j'ai tué la dernière fois. J'arrive pas à les situer. Je suis pas sûr. Par contre, je vais essayer de pas trop tourner en rond parce que là j'ai peur de me louper. Faut trouver le. Je prends du bois aussi pour si jamais on doit faire un feu. Ouais non on est bon, on est sur la bonne voie. Par là-bas. Je crois que les loups sont revenus sur la glace. Ça va être embêtant. Après on peut sprinter. Hein. Pas grand chose. Ah là c'est le chemin qu'on avait pris pour descendre, je crois bien. Ok, donc le c'est plus vers là-bas, plus vers la gauche. On avait laissé la porte ouverte ou on l'avait fermée. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. Ouais, on est bon. Il est toujours après nous, donc on va y aller doucement. Je sais pas s'ils ont peur des torches. Non, les torches posées par terre, ils ont pas peur. Oh, lapin, Yass, il va nous aider. Ouais, des torches posées par terre, ils en ont pas peur. Par contre, si vous... Ouais, non, c'est bon, il a flairé le lapin. C'est bon. Si jamais vous... on devrait le tuer. Si jamais vous la jetez de sur lui quand il est devant vous, je crois que ça peut lui faire peur, mais une torche par terre, il va pas la détecter en fait. Ça c'est un peu con. Parce qu'il est passé à côté. Hein. Et elle était encore allumée. Donc c'est un peu con hein, quand même. Hein. Un peu. Ok, très bien. Et voilà, nous sommes rentrés à la maison. Tac, 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 on est... Ouais, on peut mettre 40 kilos. On n'a pas de tissu, faut faire gaffe ça par contre. Ça... Donc... Donc, nourriture. On devrait mettre... C'est pas très lourd, en fait, tout ça. On devrait mettre tout là-dedans, en fait. Bref. Je vais juste faire un peu le ménage, vite fait. Puis après, on va s'arrêter, je pense. Donc moi, comme j'ai dit, je vais faire un épisode entre.
être un épisode post-farm. Parce que de un, j'ai envie de, déjà de lire le, ce livre-là, de la couture facile. On va refaire les flèches, parce que je crois qu'il y en a une qui avait cassé. Je vais défaire ça, les vêtements. C'est sec. C'est sec. On va rentrer ça. Nickel. On a des petits bois. Nickel. Ouais, je vais ranger tout ça. Et ça va être donc la fin de notre épisode qui était un peu plus long que d'habitude. C'est pas grave, ça arrive. Mais ouais, on a fait du très bon boulot. Je vais voir un peu les allumer, parce que c'est vrai que j'en ai pris la dernière fois, mais j'ai pas... Enfin, quand on était en haut, mais j'ai pas trop fait attention. 23, 12, 19, 12. 13 et 15 ici. Est-ce qu'il y en a... Il y en a aussi là aussi. Il y en a beaucoup... On a beaucoup d'allumettes. On a beaucoup, beaucoup d'allumettes. On a beaucoup d'allumettes. Je vais faire un tri. Je vais faire un tri de comment je vais poser les objets, tout ça, et quoi faire, parce que là, c'est un peu le bordel. Parce qu'entre ce qu'il y a dans les, dans la, là et ce qu'il y a dans les étagères, c'est un peu le, ouais, c'est un peu le bordel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On va, je vais dormir une heure, histoire que ça sauvegarde et tout ça. Et à la prochaine. Donc, très content. Donc, moi, ce que je vais faire entre-temps, comme j'ai dit, c'est, bon, mettre un peu de l'ordre. Je vais retourner récupérer les trois cordes, ça va prendre... Bah, le problème c'est que c'est pas compliqué en fait d'aller récupérer les trois cordes, mais je vais pas le montrer parce que ça sert à rien, on va perdre 30 minutes de vidéo en fait juste pour aller récupérer les trois cordes. Et après je vais me préparer pour qu'on fasse... Donc attends, ouais mais je peux pas le montrer parce qu'on n'a pas là, vraiment la carte. Pour qu'on fasse en fait ce côté là, parce que je sais qu'il y a des manques de cordes ici, il y a même, on sait qu'il y a un manque de cordes par là... là, là, je crois, oui, c'est ça, comme ça, là, c'était par là, le banc isolé, là, on peut mettre une corde ici, c'est pas très utile, mais on peut, mais là, il y a des cordes qui manquent, donc on va peut-être faire une excursion un peu, se balader là, mettre des cordes et tout ça, et voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de champignons de baies, et je voudrais me stacker, en fait, en ça, avec ça, avec les baies et tout ça, je voudrais vraiment faire un bon stack énorme, et comme ça on est bien. Je vais aussi voir un peu ce que je fais avec la nourriture, toute la nourriture qu'il y a là. Mais ouais. En tout cas, très bonne excursion, hein, on va l'avouer. Hein, on a récupéré bah, tous les livres qu'il y avait, qu'on a récupéré sur le chemin et sur l'avion. On a récupéré énormément d'allumettes, on a récupéré encore pas mal de nourriture supplémentaire. On a récupéré de la peau, on a récupéré scie. Enfin voilà, honnêtement c'est une bonne excursion, ça vaut le coup. Et des crampons en plus et tout apparemment, donc maintenant il n'y a plus le pistolet à fusée, il y a des crampons à la place. Donc ouais. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé la survie du week-end, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.